a fait deux tags juste pour faire ça. Mais faire chier. Oh putain, mais si t'avais perdu contre deux RC qui sont même pas joueurs, non. Dans ma tête, on s'est installé en mode super, attends, c'est vraiment. J'ai même pas pensé. Ok, c'est parti. Du coup, on est parti dans cette game. Alors, évidemment, on va pas parler du match-up qui est évidemment dégueulasse. Non, mais Terence, voilà, je suis sûr que Terence, à la fin, il va dire non, mais vous savez que Ganon, c'est plutôt bien contre Aegis. C'est quelque chose qu'il fait, écrit de l'est, ce chien. Ridley, je peux comprendre. Même Donkey Kong, je peux comprendre. Ganon, il ne perçoit vraiment rien, quoi. Là, c'est vraiment difficile. C'est déjà difficile. Mais l'adaptation du top player avec ça. Yannis. Et Yannis, lui, il est pas free. Oh là 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 là. Ah, il est pas free. Dieu, c'est pour une raison. Oh, il va là ! Un bon F smash. Directement sur la tech shake, il a lu. La neutrale. Oh là 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 ! Clipper le chat. Clipper. Ça, c'est une phase d'avantage. Déjà un lead de malade. Ça, c'est pas Mitra qui fait des petits bouts partout là. Non, non, là, voilà. Là, ça, ça arrive 20% avec ce fer. C'est un avantage bien XV barbare. Avec un fer qui a une bonne réponse. J'en rappelle. Ah, bien joué ça. Ah, tu es clippé. C'est cool. Attends, mais c'est pas le winner. Ah bah il y a plus de clips. Non, les joueurs sont morts. Non, pas d'or. Quand faire? Parce que là, mais pas de haut. Attention. Mais pas de haut, Lucas. Ah bon? Ça, ouais, mais je suis nul aussi en anglais. Je suis nul à chier aussi en anglais. Pas du tout de haut. Faut arrêter. Comme Mon Slip, je l'écris toujours au hasard. Bah, M-O-N-T. Oh, c'est le mec. C'est Mon Slip, mais avec lui à la fin. C'est ton cosplay. Ouais, bah, je suis vert avec du blanc et des chaussures marron. Voilà. Je sais pas. Il y a un cosplay Louis. C'est bien, essaye lui. Ok, mais du coup, il y a déjà un lead de bah, une stock entière. C'est absolument conséquent. C'est absolument monstrueux. Tu sais que si il gagne ce match, Baggy, ça devient un main gagnant dedans. Ah oui, il a dit. Non, non, mais moi je te le dis. Il va se dire, ouais, c'est bon, enfin mon avenir est sur Ganondorf. En vrai, il va faire une mosquée avec, il va s'en poser. Il est vraiment bon avec Ganon. Bah, il joue très bien les interactions qu'il faut jouer. C'est pas juste, il est fort au jeu, c'est il joue bien Ganon. Bah, il joue avec la peur des hommes. On a raté le timing du côté de Kalisto. Il joue avec la peur des hommes. Il joue très bien ou quoi ? Il y a du privé partout. Genre partout sauf là. Là c'est du vrai. Là où il y a Malo Podem. Ok, bon alors il y a 110%. On va un nom pour le Rosen Arena. Non, c'est bien comme ça. Malon et Ponan Talon. Ouais, c'est ça. Okay. Moi Talon. Bien sûr. Énorme. Donc là, il y a déjà 120%, mais par contre, il suffit d'une phase of stage, bah, comme celle-ci. Il est mort. Oh, il réussit à remonter. Il n'y a pas grand-chose. Ok, maintenant, peut-être qu'il va pouvoir trouver le upper, ouais. Mais non, évidemment, parce qu'il y a la super mécanique de Sakurai. Parce que Sakurai. Oh. Rappelle que Sakurai est un bandeur de. Oh, ah non. Ok, c'est pas très très grave. Oh, mais putain, il a tellement pas de chat. Oh, il a tout donné là. C'est bon, risqué de faire ça en vrai. Non, ça donne aussi la plateforme. Ouais, mais autant faire un message. Mais là, il voulait avec un message à faire passer. Il y a un message à faire passer. C'est pas juste pour tuer. Ok, bien joué de la part de Baggy. Personne ne s'y attendait. Oui, il avait gueule de l'autre. C'est vraiment un super. Je vais mettre une chèvre ici, c'est le goat. Goat. Il n'y a pas de chèvre, du coup je vais mettre Ganon. Ganon. Mais il est bon, Slip. Le fils de pute. Il a pris Ganon Watch. Mais non, mais. En vrai, mec, je suis sûr que c'est plus facile. Non, non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je sais pas, hein. Avec Ridley, c'est ok. On a friplé pas mal et il y a les gars de s'y arriver pas. C'est vraiment. Avec Ridley, c'est ok, du coup je me dis, tu sais, tu peux tuer. T'as de la rage avec Ridley. Tu peux tuer très très vite. Tu vois, là, il a fait Bakary. Il pas gagné. T'en as rien à foutre du donner parce que tu peux smash dedans. Après, offstage, ouais, offstage. Voilà, là, c'est juste Terence qui s'est arrêté, mais il est. C'est vrai que offstage, c'est inimaginable. C'est pas très grave. Yeah. Ouais. Gagné du coup avec Flo. Ouais. Ah, il y a bien une run plus facile que d'autres. Hein. Ça va. J'ai coupé de nous. Vous avez pas joué depuis longtemps. Moi je fais même pas de session et tout là. Oui. Et dont une bien à zéro et tout là. Comment tu peux te aider avec deux guns? Je sais pas, il est mort. Il faut là, 5000 ans pour orienter ton habit. C'est un habit, genre tu fais ce que tu veux avec. C'est comme un peu moins que villageois, mais quand même. Je joue là du coup pour Martin ou quoi? C'est immonde. Je déteste le personnage. Ouais. Top 5 des persos que j'aime le moins. T'imagines, t'es là, tu
joues Aegis, top 10 du jeu, tranquille. J'ai un petit game and watch. Et t'es obligé de counterpick Ganondorf. T'es obligé, genre là c'est ta win condition, t'es obligé de counterpick parce que non, c'est beaucoup trop difficile. Mais au moins ça montre que son second permet de gagner des games. Donc ouais. C'est cringe. Ouais, c'est ça. C'est super. Si Yannis prend Ike pour l'amour du ciel et baise lui sa mère. Oh oui. Pour l'amour du ciel, entends-nous. Oh, un bon jeu. Ouais, oui, bah après, je pense que c'est mieux. Entends-tu le chant noir des corbeaux sur la plaine? Ouais. Voilà. Et la lecture, c'est la même chose. Tu fais 3 F-slash. T'as juste à le shield break. C'est pas difficile. Oh là là. Ah, il y va. Oh, toi, ça remonte super bien. Attends, mais elle est trop forte, ce tricot. Pourquoi personne ne me l'avait dit? Arrête. Arrête. Ah, Terence, là tu baisses les yeux quand tu gagnes une game comme ça. Tu baisses les yeux. Et tu dis désolé. Désolé, mais j'ai envie de gagner la MJV. Voilà, dis-le. Oh, pourquoi c'est chaud? Oui, je suis. Oh non, mais c'est pas ça. C'est juste, faut lui laisser le temps de faire le bilan. Faut lui laisser le temps de faire le bilan calmement. En se remémorant chacun. Oui, c'est pas. C'est pas en mode. Je suis vraiment dans ma période variété principale. J'ai fait que ça. Il faut que je te fasse une playlist. Hein. Là, j'ai découvert Thomas Fersen. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Si t'aimes Thomas Fersen, tu devrais aimer San Severino. Ok, je connais pas. Je demande à mon daron de me donner plein de conseils. San Severino, il y a moyen que t'aimes bien. C'est un peu dans la même vibe en vrai. C'est pas les deux trucs. Le truc vraiment que j'écoute en plus, c'est À la faveur de l'auteur. Ok. Vraiment, on va le dire. Après les versions françaises, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop sous-côté. Oh, il a pris Aegis. Bah oui, parce qu'il allait se faire contre un petit. Ah. Oh. Du coup, là, ça veut dire que, en gros, si Kalisto veut gagner le BO, il est obligé de gagner une game avec Aegis. Ouais. Ça a l'air difficile. Ça a l'air vraiment difficile. Je dis ça en mode Kalisto gagne contre le Ganondorf de Bandit. Il doit au moins gagner une game avec Aegis. Putain, c'est vraiment trop compliqué quoi de gagner en Aegis Ganon, force à lui. Il a pas eu le counterpick. En vrai, le matchup il est pas si évident. Parce que le FT, tu sais, il envoie vers le bas, donc c'est chiant en fait pour remonter quoi. Il a pas mis un seul Aegis. On n'a pas fait un gros truc parce que. Oh. Non, mais en fait, il y a une phase d'avantage. En plus, à chaque fois, son excuse, c'est. Ouais, une phase d'avantage, ça va vite. C'est juste parce que son désap pue la merde. Ça rend pas problème d'Aegis quoi. Alors que pourtant le désert d'Aegis, il y a des trucs à faire. Pas forcément le meilleur désert du jeu. Pas le meilleur désert du jeu, mais on est loin d'être sur le pire. Les backers offstage et qui meurent à 70 pour bah, très pas la faute d'Aegis. Très très loin d'être sur le pire désavantage. Ça va. Puis en fait, rien qu'avec le Don B, c'est. Hier, je voyais que j'entendais que j'étais en priorité en rentrant chez moi. Et 5D, il a dit Mewtwo top 5 avantages du jeu. Hein? Pourquoi? Je sais. C'est quoi l'argument? Mais aucun. Il a dit, ouais, genre, tu sais, il expliquait, il dit, ouais, Mewtwo, c'est un peu top 5 avantages et top 5 désavantages. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, le désavantage du Mewtwo est trop bien parce qu'il y a la TV. J'ai pas compris pourquoi il disait ça. Comment tu peux voir ce qu'il dit? Bon avantage. Après, c'est comme tu dis que ça. Je sais pas, c'est probablement argumentable, mais. Oh, c'est un mode top 5 alors qu'il y a des trucs. Top 5, ouais, top 5, top 5, c'est un peu trop. C'est un peu un maxeur. Top, bah peut-être. Top 5, il y a tout ce qui est con. En fait, la Shadow Ball, c'est tellement fort, mais. Ça tue pas, à 150. Ouais, alors que lui, il va tuer. Je pense que vous avez trop très bon avantage. Goku, il a vraiment bien joué sur le jeu. Ok, ça va. Deux, ça aurait pu toucher, c'était très bien vu. Malheureusement, ça n'a pas touché, mais c'est pas grave parce que là, il ne meurt pas. Au moins, ça clanque, c'est bien. Il mérite. Il mérite de au moins clanque. C'est le minimum. Ouais, là, on va se faire Edgeguard. Non, non. Ah, il a essayé de viser, normal. Ça se tentait, au moins il trouve le fer et peut-être qu'il va pouvoir trouver ce donner, non? Alors un tilt, non plus, et rien du tout. Non, il est pas utile, il est juste donner. J'aurais peut-être pu essayer de trouver un side. On va attendre l'air d'homme. Oh! Attends, mais il joue bien! Ouais, il est vraiment fort et Ganon en rien. Il joue bien, malheureusement, ça va pas tuer. Hit smash Ganon Norfox. Et pourquoi Tartine il. Non, mais Tartine, c'est toujours le. C'est Terence. Ah ouais, c'est difficile là, c'est. Oh. Ok, ça aurait pu être cool. Bon, ça l'était pas. Bon jab. Jab, jab.
La bonne idée de Patak. Réaliste les yeux de Patak, comme disent les gens. Réaliste. C'est un adjectif que je pense qu'il faudrait l'implémenter dans le programme. Ah, attends, mais. Ok, imagine. I have a dream. Tout est possible. Ah, tu s'en branles ? Il aurait dû grave, c'est dommage. Une opportunité manquée, on va s'en vouloir du coup. Oui, ok, il a plus de zone ? Il a plus de zone ! Non ! Il attendait leur dodge up de. Oh ! Dommage. Dommage, mais c'est pas fini. Il y a deux en d'ailleurs. Il y a deux, il y a gagné quelque chose pour jouer contre. Que dire ? On peut dire que dans le chat, il y a Ganondorf habitant qui est pour Yanis. Ça, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Alors qu'il y a Tartine GLB qui est pour Terence. C'est pas étonnant non plus. Il défend la veuve et l'orphelin à chaque fois. Il défend pas la veuve et l'orphelin. Il fait chier le monde. Il défend toujours l'indéfendable. Voilà, c'est ça. Il fait exprès de défendre les gens qu'on a pas envie qu'il y ait. Ganondorf habitant qui dit était Smash, Yanou, c'est pour les cons. Apparemment, il faudrait utiliser plus de F-Smash. Ouais. Très bon conseil. Ouais, plus de Smash. Plus de Up-Smash. Plus de rides encore. Ouais. Plus que ça. Bah t'es obligé de faire ça. C'est ça. C'est vraiment que des rides. T'es vraiment obligé de mieux jouer. Peut-être une ou deux interactions où tu seras en mode. Ah ok. Heureusement que c'est Ganon. Mais. Ok. Quand t'es en last hit, je pense que t'es heureux de jouer Ganon. Et encore. Bah, je vous compte Didi, je suis pas heureux de jouer Ganon même en last hit. Enfin, après Didi, c'est probablement top 5 des meilleurs last hit du tout. Avec Peach. Peach, ça se défend. Wario, hein. Wario aussi. Wario aussi pour Forest. Ouais. Mais Peach, c'est Gamecube. Ouais, je suis d'accord. On peut littéralement taper pour le rappeler. La moitié de GZ. Roll. Ok, moi j'aurai Roll. Ok, ça, c'était bien vu. Il ne touchera rien, mais il sera pas non plus. River son avantage, il a dû vous dire que ça va revenir en neutral. C'est lui qui se fait mettre en juggle, puis okay, il préfère le lâchera plutôt que le juggle. Ça se défend. Ok, bah, il y a un moment, il va falloir avancer. Ok, c'est bien. Belle Roll, ça. Ça me mal. Bah, c'est un vrai qui confirme ça, c'est un stage attaque. Ok, il se fait pas trop punir, il se fait grave, c'est pas trop grave. Vu qu'il se met en lèche-rap, à voir comment est-ce que le lèche-rap est concrétisé. La part de Callisto, il est ouais. Bien concrétisé. Ouais. Un peu au hasard, il est mort. 13ème coup, Kadek a fini par tuer. Ouais, c'est ça, c'est... il est tapé quoi, il a réussi à toucher son coup un moment. Il fallait bien que ça arrive. Qu'il a trouvé. Ouais, c'est tu. Ok, attends, okay. Ils ont inversé DNF Baggy et sa Aegis contre le Ganondorf de Callisto. Bien sûr. Ok, vous savez totalement even, mais il y a une phase d'avantage de la part de Callisto qui a pas trouvé ce juggle, mais qui se fait reverse avec le nerf, très bien vu, de Baggy. Ok, encore le juggle, le George juggle. Qu'est-ce qui drôle. Ah, très bien vu, ok, après. Oh, en vrai, ce père, il envoie vraiment dans un angle à la con aussi. Hein. Ouais, bon, c'est la bonne punition. Je pense non. Tu faisais down tilt, up tilt vert, et ensuite t'avais une phase d'avantage, je pense que c'était en vrai mieux. Peut-être. Mais il a voulu mettre. Peut-être, mais c'était un peu plus risqué quand même. Puis il aurait pu charger sur la smash, pour ce genre de toucher. Ah, dommage, ok, il se fait pas toucher. Ah, ça tue, là. C'est difficile là, de la part pour Baggy, ouais. C'est pas facile du tout. Il y a un autre dans quoi. Ok patate du titan. Ah, Baggy. Ouh, ok. Oh, il a pas trop de dodge comme ça. Ok, c'est vrai qu'il a EB ce perso. Faut pas non plus sous-estimer ce EB, il est pas trop mal. C'est sûr. Alors qu'il avait 15 fois. Oh non. Ça va ça. Oui, ça a une hitbox en haut quand tu charges, c'est un peu con. Après ça déconnecte pas. Ça aurait été trop stylé. Le timing avait l'air si bon. Ouais. Oh, il n'y a plus de saut, peut-être qu'il va pouvoir. Ah, oui, c'est bon, il est mort. Ça tue. Ça tue. Ok. Il risque pas. Ah, mais c'est un bille. Ok, alors là, c'est le moment du jeu des counter pick. Parce que là, du coup. Mais tu joues. Yanis, il peut juste pas rester. Il fait sortir des choses là. Totalement. Bien dit ça, Guilhem. Parce que là, du coup, Baggy qui ne peut pas rester sur. J'avoue, il va jouer Game of Thrones. Il peut pas rester. Après, sur Ganondorf, il pique Ike, il baise la Aegis de Ike. Ouais, c'est ça. S'il prend Ike, en vrai, je pense que c'est son meilleur moyen de gagner tout. Kalos. Hein, mais il faut les bannes pour la dernière game. Alors, c'est moi qui les ai. Ah, c'est toi qui as proposé les bannes. Ok, on va voir. Il y a Sifano dans.
Oh, bah attends, mais il est trop bien. Salut tout le monde, c'est Sifano. Ah, mais oui, le skin athlète. Attends, il faut vraiment le skin athlète. Bah, attends, mais il est hyper beau le film de Tifano là. Bah, il rend vraiment bien. Mais ça a l'air facile à changer. Oui, je pense que c'est pas très dur. Ouais. Oui, mais non, il le skin de Hades. Mais oui. Pour le coup, là, on dirait vraiment un vrai personnage de Smash Bros. Il part sur Yoshi's Story. Yoshi's Story, tu penses que ça représente quoi toi? Ça dépend quel perso il prend. S'il prend Ike, c'est vraiment bien pour Ike. Oui, justement. Est-ce qu'il part sur Ike? Après, c'est juste nous, comme on dit, Ike, un truc, il a jamais pensé à ça. Ouais, mais il nous a forcément entendu, donc ça, peut-être ça lui donne l'idée. Oh, il le tente. Sur Yoshi? Ça, c'est Chad, hein. Je vois pas trop en quoi Yoshi pourrait aider. Mais... Bah, Yoshi, moi, je trouve qu'il y a bien une idée de merde. Parce que vu, tu as tout posé tout le temps, quand elle avait toute petite. Ouais, mais t'as des plateformes pour atterrir pour le Léopère. Qui est vraiment le truc horrible dans le match. On va voir, écoute. Après, comment on dit. Hop là, il a tué le. Dommage. Et en vrai, je te dis ça parce que c'est tellement tout ou rien la map que. Ouais, j'ai ouais. Tenté tout ou rien, tu vois, avec Ganon, avec Game & Watch. C'est pas trop grave, ok. Ok, là maintenant il va pouvoir remonter sur le terrain, on repart en face de neutral, il trouve ce repère en jungle. Mais c'est tout. C'est tout, il y a juste un repère, c'est de la merde. Il faut faire un. On donne tilt. Bon, c'est chiant. Ouais, on est juste malheureux. C'est un peu cool que Terrain, s'il arrive à sortir son game, machin. Je pense à ton premier degré par l'année. Probablement, contre les Samus et tout, parce qu'il galère aussi contre les Samus. Après, ouais, après, il aime vraiment pas ça. C'est pas un perso qui annule le match-up Samus, comme Olimar ou tu dois quand même jouer le match-up. Ça annule pas tous les outils pour gagner, mais faut quand même faire jouer le match-up. T'as un bon match-up quoi. Et à un moment, t'es pas obligé de coûter un pitch. Je suis pas sûr que ce soit particulièrement gagnable, hein. Enfin, gagnant pour. 164%. Voilà. La richesse. Ça, c'est la classique de Théon. C'est super fort. Par richesse, c'est un bon. Ah non! Non! C'était le moment. C'est sûr qu'on va gagner la game. On est tous tristes. Oh la vache. Ça va être épuisant, genre. N'oublie pas, Yannou. Les Smash, c'est pour les cons. Enfin, c'est pas pour les cons, du coup. C'est trop dur. Le juggle est ignoble. Et en plus, ça met des pourcentages dans le jeu, d'accord. Ça met des pourcentages IRL aussi. Hein. Jacques, tu t'en prends. Ça met vraiment des dégâts mentaux. Oh voilà, ah, okay. Bon, là, je trouve ça. 80% c'est beaucoup en vrai parce que. Ouais mais une phase, c'est Ganon. Faut y croire. Ça reste Ganondorf, c'est vrai. Et puis Gamage c'est vraiment très très léger. Tu peux tuer très vite. Mais est-ce qu'il arrête de taper sur son chien? Ça sert à rien. Ah, il est mort. Ouais. Bon, il est pas mort. Si, là, il est mort. Ouais, il est c'est vraiment chiant. C'est pas trop grave. Juste à droguer de jeu. Ok. Que... Au moins, il reprend. Ah, non. Ils sont morts. Il arrête d'atterrir sur lui. Oui, il part. Donc, il y a l'aide et il accepte. La vraie astuce. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'il y a le facteur du save aussi, c'est que. Ouais, mais en vrai, si. Ah, putain, on se mâche. Et s'il mâche, en vrai, il peut sortir. Ah ouais? Ah oui. On peut sortir. Mais tu sais que les boss level 9 qui mâchent comme des zinzins, ouais. Ils sortent en. Sortent genre là, tu vois. Ah ouais? Ah oui, c'est. C'est ça, jamais. Oh non! Mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est difficile. Faut voir. C'est difficile, mais au moins Yannis, il aura tenté jusqu'au bout son gars dedans. Il n'aura pas fait de counterpick. Il n'a pas de counterpick. Comme une certaine personne. Oh la vache. C'est un peu triste comme. C'est vraiment dur. Ok. Oh. Il n'y a pas de réussite. Sans le seul. Il n'y a vraiment pas de réussite. Le plus il a raison. Il n'y a pas de réussite. C'est un peu rageant. Ouais, bon, ouais, c'est une réplique. Hein. C'est quand même de mettre des bacs. Non mais là c'est fini. Si t'avais lâché au bon moment, c'est fini. La chaise. C'est un move de fou la chaise. Hein. Ouais non là il est. Ouais. Il tente hein, il tente mais. Ouais. Ok. A quand même bien joué parce que. Ouais, 3-2. Parce que c'était pas facile comme match. Il a gagné avec Gazon contre Aegis. Ouais, il faut que j'aille m'occuper de ma Switch.